Pour moi, la simplicité volontaire, c'est lutter un peu contre la société de surconsommation, enfin, vraiment aller à contre-courant de ça, revenir à l'essentiel, et c'est vivre mieux avec moi, finalement. On voit une là. Oui. Aïe. Ça pique, c'est court. Il y en a une là. Une là. Oh. Et puis peut-être ici. Je partais de très très loin puisque quand j'ai commencé ma carrière professionnelle dans la banque, à la fin de mon stage, j'ai demandé à mon maître de stage si j'allais pouvoir gagner 100 000 euros dans les 5 ans. Je travaillais à Paris. Voilà, donc c'était vraiment... j'étais à des années-lumière de la simplicité volontaire. Moi, je courais au contraire, j'allais dire, après l'argent. Enfin voilà, le côté vraiment matériel, c'était... mon but dans la vie, quoi. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il me manquait toujours un peu quelque chose. Et puis en 2017, j'ai fait un burn-out. Et en fait, c'est en me remettant de ce burn-out que je me suis dit, en fait, c'est pas ça que je veux profondément. Et puis voilà, en ayant rencontré le zéro déchet un an avant mon burn-out, je me suis dit, c'est ça, on peut vivre mieux avec moins. Et en fait, en vivant avec moins, je me suis vraiment rendu compte que... Enfin, je me mentais plus à moi-même, quoi. Finalement, la consommation, ça, c'est un peu remplir un vide intérieur. Et en fait, il n'y a juste plus besoin. Quand on se rend compte qu'on revient à l'essentiel, il n'y a plus ce besoin de se remplir de choses inutiles, quoi. On va désencombrer un petit peu dans ta chambre ou... Je ne sais pas, par exemple, ici. Non, pas ça. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses à désencombrer dans ça. T'as peur qu'on jette ? Désencombrer, c'est quoi ? Est-ce que c'est jeter ? Non, c'est vendre. Vendre ou donner ou jeter ou garder aussi. Ouais. Alors ça déjà, faut pas jeter parce que c'est le memory qu'on a fait avec papa. Ah, le memory qu'on a fait avec papa, ok. Alors attends, on va le mettre bien. Hop. Et on va le mettre de côté pour le ranger mieux après. Oui. Hop. Ça c'est à désencombrer, à jeter parce que... Ça c'est à jeter. Oui, et ça aussi. Donc ça je déchire. Mais... Hop. Ça fait. Ça, c'est le tas poubelle. Hop. La simplicité volontaire, c'est, vu de l'extérieur, une série d'éco-gestes qui sont posés. Donc, entre ce que je fais et ce que fait beaucoup de gens, c'est pas très différent. Seule chose, c'est qu'on va lui donner une dimension globale. Et on va essayer que toutes les facettes de sa vie soient sous la même vie simple. Il y a trois piliers que l'on explique. Et qui nous semble important pour avoir de nouveau cette cohérence et un équilibre aussi. Alors le premier est assez simple à comprendre, c'est la notion de désencombrement, puisque, enfin, pour beaucoup de gens en tout cas, on est surencombré à travers la consommation, la surconsommation. Mais il n'y a pas que nos maisons qui peuvent être encombrées, il y a aussi notre esprit et beaucoup de choses. Le deuxième pilier qui est celui de la gestion du temps et de ralentir, puisque dans la simplicité volontaire, cette dimension de reprendre le pilotage de sa vie est importante. Et là, on a besoin de temps. Si on est dans une succession d'activités, on va se perdre. Donc, il faut mettre des moments d'arrêt dans sa vie. Donc, le ralentir. Et le troisième pilier qui est important aussi, c'est de ne pas s'isoler dans cette démarche-là, parce que on va être très différent des autres dans son mode de vie, et c'est de favoriser le lien. On va faire des choix en conscience, au lieu de faire des choix par automatisme. Par exemple, pour les vacances, là, ça fait 4 ou 5 ans qu'on n'a pas pris l'avion. On essaye de se tourner un maximum vers le train. Et là, cette année, on a fait des vacances en voiture, mais en Belgique. Qu'est-ce qui était essentiel pour nous ? C'était de passer du temps ensemble, c'était qu'il y ait une connexion avec la nature. Ben voilà, les Ardennes, on était dans un trou paumé, proche de tous les sentiers de randonnée, et à 1h30 de Bruxelles, en voiture. Pour les cadeaux, on essaye de faire des choses qui soient plutôt utiles ou d'expérience pour qu'il y ait cette notion de temps et de lien, et du coup de ne pas avoir forcément beaucoup à stocker chez soi. Ok, à donner, à vendre, à jeter.
Alors, ajouter. Alors, attends, ajouter. Oui, c'est vraiment cassé. Ouais, ajouter. Là-dedans. Dans tout ce qui est achat, finalement, on va appliquer la méthode bisou de Marie Dubois et Herveline Verbeken. La méthode bisou, c'est le B de besoin, donc c'est à quel besoin cet achat va répondre. Le besoin d'appartenance, le besoin de sécurité, le besoin de faire comme tout le monde. I, c'est immédiat. Est-ce que j'en ai besoin tout de suite ? Ou est-ce que je peux postposer l'achat? S, c'est semblable. Est-ce que j'ai quelque chose de semblable à déjà qui pourrait faire office de ce dont j'ai besoin? Le O de origine, est-ce que c'est des matériaux durables? Est-ce que c'est produit loin? Est-ce que c'est d'occasion? Enfin voilà, est-ce que ça me satisfait cette origine? Et le U de utilité, est-ce que sans cet objet, je peux pas vivre, quoi, entre guillemets? Est-ce qu'il me manque quelque chose si j'ai pas cet objet? Voilà, et donc le fait de se poser certaines questions avant d'acheter, ça fait qu'il n'y a pas vraiment d'achat ou de choix comme ça impulsif. C'est réfléchi, quoi. Et alors que la pub, justement, te dit « achète » et ne réfléchis pas. En fait, avant cette décision de consommer différemment, je pensais que j'étais hermétique à la pub. Depuis que je consomme moins, eh ben, je me rends compte que pas du tout et que même encore aujourd'hui, je suis impactée par la pub. Et je me suis vraiment rendu compte de à quel point on était sollicité tout le temps. Je suis dans ma voiture, j'ai la radio, je suis sollicité dans l'espace public, dans la rue, je suis sollicité si je vais dans un supermarché, par les soldes, par même et surtout sur les réseaux sociaux. Tout est fait pour dire achète, achète, achète. Et donc, se dire qu'on ne va pas acheter, c'est vraiment un exercice, enfin, une décision qui doit être consciente. C'est clair qu'il y a une transition, hein, ça s'apprend. Mais globalement, j'ai l'impression que maintenant c'est devenu un automatisme et que quand je cède, je suis consciente que je cède. Voilà, c'est vraiment ce côté choix en conscience. Bien souvent, bonjour. Bonjour. Salut Dominique. Donc on marchera derrière une grande banderole où il est marqué « marcher pour s'arrêter ». D'accord, donc qu'on avait déjà utilisé, donc voilà. Et vous partez d'où? Et nous, on partira de Saint-Lambert. Saint-Lambert. Ouais. Ça a été une spécificité, je pense, des Amis de la Terre, c'est de mettre en avant la simplicité volontaire à travers les groupes de simplicité volontaire. Et donc, ce groupe, il est conçu un peu comme le groupe aussi des Alcooliques Anonymes, c'est-à-dire dans un lieu d'échange et de partage, et dans un lieu de non-jugement. Parce que dans un groupe de simplicité volontaire, l'idée, ce n'est pas de rassembler des gens qui vont avoir tous le même objectif, c'est au contraire de rassembler des gens qui ont des objectifs qui peuvent être très différents dans ce qu'est la vie simple dont ils ont envie à ce moment-là. Les trois cortèges vont se retrouver sur l'esplanade des Guillemins, où il y aura des prises de parole. Par une dizaine de personnalités, normalement. Bah, s'il ne fait pas mauvais pour dire ça, c'est bien, tu y vas à vélo. Oui. Moi, je serai à vélo et j'aurai un vélo électrique cargo avec le baffle, la sono. On ne peut pas traiter. On peut pas traiter. Avant de commencer la simplicité volontaire, j'étais déjà dans des processus de réduction des consommations. Et donc, par exemple, avec un ami, on s'était donné le challenge de réduire sa consommation d'électricité de 50%. Et on s'est dit, combien de temps est-ce qu'il nous faudra? Est-ce que c'est possible? Et puis, en 2-3 ans, on aurait pu réduire les deux, la consommation d'électricité. Et puis, je vais dire, pour moi, principalement, le point fort, ça a été de réduire mon temps de travail. Donc, très vite, je vais dire, 2007, deux ans après avoir commencé cette démarche-là, j'ai pu réduire à 80% et quelques années après à 50%. Est-ce que la simplicité volontaire, c'est un truc limité aux bobos? Je ne pense pas. Je veux dire, dans le groupe avec un loup où je suis, il y a deux personnes au moins qui, en termes de revenus, sont au ras des pâquerettes. D'accord? Et ce n'est certainement pas des bobos. Par contre, il faut quand même un intérêt. Je veux dire, il faut un peu s'informer, pouvoir discuter avec les gens, rencontrer des personnes. Donc, il faut quand même une certaine capacité de lien, je pense. On peut faire sa démarche tout seul.
Mais le problème, c'est l'isolement, à mon avis, et c'est souvent qu'on va s'effondrer après un certain temps. Il faut être très vigilant là-dessus. Pour moi, on ne renonce pas du tout au confort, au contraire, on en gagne. Choisir quelques trucs qui peuvent peut-être coûter plus cher parce qu'ils sont plus durables, parce que c'est local, etc. On va avoir moins, mais mieux, quoi, finalement, c'est vraiment ça pour moi. Après, moi, par exemple, justement, je me sens un peu, pas toujours cohérente à ce niveau-là, mais parce que là-dessus, on n'est pas tout à fait en ligne avec mon mari. Mon mari a plus besoin de confort et il l'assume complètement. Donc en fait, avec mon mari, on s'est rencontrés pendant nos études. Je cherchais à prendre l'ascenseur social puisque je viens d'un milieu plus modeste par rapport à lui en tout cas. Et donc lui, ça lui allait très bien en fait parce qu'on était un peu sur la même ligne à ce moment-là. Et donc là, on a vraiment cheminé ensemble vers cette idée de sobriété volontaire. Maintenant, c'est sûr que c'est quelque chose qui me parle probablement plus qu'à lui, parce que lui, il ne vient pas de ce milieu-là, alors que moi, j'ai voulu prendre l'ascenseur social et puis juste, j'en avais pas besoin, en fait. Et que finalement, quand je vivais simplement dans ma famille d'origine, ben, en fait, c'était ça l'essentiel, quoi. J'ai eu déjà conscience de ça dans mon éducation et ça m'allait très bien. Alors, je pense que vivre plus simplement est une forme de garantie que l'on peut se donner pour vivre plus heureux aujourd'hui et dans le futur. Plus heureux soi-même et plus heureux aussi les gens qui nous entourent, hein, parce que les ressources qu'on ne va pas consommer vont pouvoir être redistribuées. Les ressources qu'on ne va pas consommer vont permettre aux vivants aussi de vivre en dehors de l'humanité. Il y a plein d'autres formes de vie que l'on détruit aussi aujourd'hui, et de laisser aussi certaines ressources pour nos enfants et petits-enfants.